Je suis Tisserande à l'atelier associatif au fil des lys et je vous accueille dans mon univers. Donc le tissage, c'est un métier à tisser, une chaîne de fil, une trame. Donc on apprend à tisser dans un premier temps et après je vous apprends à faire des dessins et à jouer avec les fils, les différents fils de couleurs. Et de grosseur, et des fils bouclettes. On peut même tisser du tissu pour faire des bandes. On peut fabriquer des petits cache-colles, des écharpes, des vestes, des ponchos, des étoles, des plaids, des manteaux. Après, il faut coudre. Les plaids, les étoles, il n'y a pas besoin de couture, donc vous tissez, vous lavez après votre production et puis c'est fini. Je m'adapte à tous les niveaux, je prends les enfants à partir de 6-7 ans, les adultes individuellement et je m'adapte en fait au rythme de l'adulte qui vient, j'avance dans les cours au fur et à mesure que c'est bien compris. Bon, alors là, si je veux changer de dessin. Alors là, il faut tisser en. Quand on tourne la manivelle sur l'arrière, ça va donc lever les fils pairs. Pour ajouter un fil de chaîne. Une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Alors, il faut prendre. Parce que le rose flashy, là, il me fait envie. Hein. Donc, on insère la trame. Donc là, j'ai tourné la manette sur l'arrière. J'attrape, ouais. On tire la trame jusqu'à ce qu'il en reste 2-3 cm. Voilà, stop. Alors, on met la trame en diagonale. Ça évite qu'à chaque fois, après, ça rétrécisse. C'est ce qu'on appelle en fait l'embuvage. On tasse. Par petits coups. Et après... On change. Après avoir fait lever les fils impairs, on va lever les fils pairs. Donc, Là, je repasse dans l'autre sens. Voilà, on repasse dans l'autre sens et on a changé de couleur. En fait, les navettes avec les couleurs différentes, c'est un peu comme un peintre, un pinceau. On change de pinceau et on change de couleur. Tous ces métiers à tisser sont à peu près identiques. Tout ce qui change, c'est la largeur. Donc, on a plusieurs petits métiers à tisser qui font 30 cm de large. Après, on a celui-là, celui-ci derrière qui fait 60 cm de large. Après, celui-ci, c'est le métier en fait où on fait les stages de perfectionnement en tissage. Il fait 90 cm de large. Donc, celui-là va servir pour les stages, mais il peut servir aussi pour fabriquer des vestes, pour fabriquer des écharpes. Et après, on en a des plus grands qui sont en 1 mètre, 1,20 m. Et le très grand qui fait 150, 160 cm de large pour faire les pièces les plus grandes, les manteaux, les plaids.